Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même plus que ravie, même s'il pleut, même s'il fait un peu froid et tout, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature, je vous l'ai teasé sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Faire du cross? Enfin du derby, hein, on s'entend, j'ai toujours pas le droit de faire de cross. Mais je peux faire du derby, c'est-à-dire des obstacles fixes sur une carrière en sable. C'est exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va donc chez Amaury Chopin à Dourdan et on est parti. Comme t'es beau. Bon, du coup je lui mets son nouveau licol que j'ai reçu de la part de Horse. Du coup vous pouvez retrouver Kentucky évidemment sur Horse. J'aime trop. Je l'avais en beige mais là en marron ça... Oh j'aime trop. Viens mon chat. Avoir détendu en manège, je suis venue un petit peu le galoper, le trotter dans la carrière. Il était un petit peu regardant, donc comme ça je lui ai fait faire le tour. C'était histoire de l'habituer à l'environnement dans lequel on allait évoluer pour cette séance. Ensuite, avec mon coach, donc je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais il y avait évidemment mon coach que vous allez voir juste là maintenant, voilà. On est venu donc détendre sur cette petite palissade blanche pour notre premier saut. Voilà, rien d'extraordinaire, plutôt droit, très dans le calme, dans le contrôle, c'est tout ce qu'on recherche. Ensuite, on est venu refaire cette petite palissade avec derrière donc un autre petit obstacle, un petit triangle, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, vous voyez qu'il a fait un saut pas très académique. Donc on est venu refaire pareil parce qu'il fallait que je le garde dans le même galop. C'est un peu le problème que j'ai pareil sur l'obstacle, c'est que j'avais toujours tendance à venir freiner pour sauter alors qu'il faut vraiment que j'aille sauter en avançant. Donc voilà, on est venu refaire et ensuite on a continué d'enchaîner. Donc on avait un autre obstacle à sauter sur une ligne toute droite. On ne devait pas compter nos foulées, hein, donc voilà, pas de pression là-dessus. Là, il a très très bien fait et j'étais beaucoup plus dans mon galop, donc je suis très contente et on a fini donc l'enchaînement sur cet obstacle-ci.
Ensuite, nouvelle petit enchaînement. Donc, on avait une petite maison blanche à sauter avec en face un obstacle un petit peu plus directionnel. Donc, désolée pour le plan un petit peu serré. Ma mère s'est trompée dans le zoom. Mais voilà, très bien. Je suis contente parce que ça fait longtemps, comme vous savez, qu'on n'a pas sauté de fixe et je l'ai trouvé très droit. Voilà. Il n'a pas essayé de faire droite-gauche ou quoi que ce soit. Donc, j'étais très très contente. On l'a refait donc plusieurs fois, comme vous le voyez. Et ensuite, on devait continuer, faire demi-tour, comme vous allez le voir là, à main droite pour aller sur la palissade blanche qui est juste ici. Toujours dans l'idée de garder du galop et de pas avoir de rupture comme je peux avoir habituellement. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, ça s'est plutôt très très bien passé. Pour finir l'enchaînement, donc on est parti à main gauche et on a fini par cet auxerre naturel. Ensuite, cette fois-ci, à main droite, on est venu enchaîner trois obstacles, donc en commençant par l'auxerre, mais dans l'autre sens. Ensuite, on avait un virage un petit peu plus compliqué à monter, et là, pour le coup, ben, je l'ai vachement recalé, alors que j'aurais dû plus pousser vers l'avant, mais voilà. On avait cet obstacle-ci, et ensuite, à main droite, l'obstacle un petit peu directionnel, espèce de vertical comme ça. Voilà, donc j'ai pas hyper bien monté, j'étais plus sur la réserve que sur le fait de l'amener vers l'avant. Mais voilà, on a renchaîné ensuite derrière pour que ça se passe beaucoup mieux, et vous allez voir qu'encore une fois, ben, je suis contente, puisque j'ai pu corriger mes défauts directement. Après, vous le savez, ça fait 3 ans que j'avais pas sauté de fixe, donc c'est toujours un peu compliqué. Et également, c'est la première fois que je sautais du fixe avec Pépère en mort simple, puisque je l'avais toujours sauté en PSOA. Maintenant, c'est vrai qu'il est beaucoup plus calme, etc. Donc je peux vraiment le sauter en mort simple et j'en suis très très contente d'ailleurs. Donc une fois qu'on avait fini ces trois petits obstacles là, on devait aller sur un string, donc un directionnel en forme de string, vous allez voir. Là, je l'ai vachement appréhendé, donc j'ai un peu zigzagué et vous voyez que voilà, gentil cheval, vraiment gentil cheval. On a débordé sur le fagnon, mais il a quand même été gaillard, donc je suis très contente parce que je vois qu'il est toujours aussi droit, même après toutes ces années, il regarde rien, il est vraiment à l'écoute, c'est un bonheur. Et donc on a fini sur ce gros sac là. Je vais vous mettre au ralenti parce que le saut était plutôt beau gosse, donc voilà, très contente de ces petits enchaînements-ci. Ensuite, puisque je l'avais mal fait, on est revenu faire juste le string, vraiment en essayant de garder mon galop, et ça s'est beaucoup mieux passé, voilà. J'avais une bien meilleure place. Et puis après, on a refait encore un enchaînement. Donc cette fois-ci, on avait un obstacle qu'on ne voit pas, qui était des espèces de plots en plastique blanc. Et ensuite, on devait, et voilà, changement de pied, du mal à passer. On devait aller sur un petit banc, donc à main gauche, et en 4 foulées, c'était normalement, et j'en ai mis 5 de mémoire. Voilà, aller sur ce petit directionnel-là. Encore une fois, le plan un peu serré, je suis désolée. Et pour finir ensuite... Et enfin, le dernier enchaînement, oui, déjà, c'était donc ce petit directionnel blanc, toujours en petit string, comme ça, qui s'est très bien passé. Là, je suis contente, pour le coup, j'ai pas du tout appréhendé, j'ai eu confiance en lui, du coup, ben, on est bien parti dans le galop. J'ai gardé mon galop ensuite, puisque on avait une pointe, donc là, encore une fois, j'appréhendais un petit peu, parce que c'est toujours délicat à monter les pointes, et au final, ça s'est très bien passé, je voulais même y au ralenti. Et voilà, pour notre séance, c'est déjà la fin. Ensuite, bien évidemment, je vais vous montrer un petit peu les soins que j'ai fait. Alors juste, je voulais en profiter pour débriefer un petit peu avec vous. J'ai été tellement contente de ressauter du fixe avec Pépère. C'est vraiment des sensations qu'on a que sur du fixe comme ça. Et encore, c'est encore différent du cross. Mais bon, voilà, très très contente. Surtout qu'il a été hyper droit. Je m'attendais vraiment à avoir un petit peu plus d'écart, un petit peu plus de surprise venant de sa part, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autre chose que des barres de CSO. Mais voilà, je suis très contente donc de cette séance. Il a été très très bien. Et puis ensuite, bah, simplement, je lui ai fait les soins. Donc je lui ai mis de l'argile, des bandes de repos, je lui ai remis sa couverture et puis on a fini, on rentre à la maison quoi. Bon bah ça y est, entraînement de cross terminé. J'en profite pour vous présenter ma petite Léa, qui est connue plutôt sous le nom Aléa Photographie sur Instagram, qui nous a shooté pendant ce cross là. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Insta ou sur le sien pour découvrir bah, les photos de l'entraînement. Vu que vous avez vu la vidéo, peut-être vous avez envie de voir un peu un autre contenu. Enfin bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.